Coucou les amis, c'est Azer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur The Crew 2. Aujourd'hui, c'est une vidéo comment devenir riche, comment faire des sous, de la maille, des pesos, sa mère, on veut des sous, on en a rien à foutre du reste. Alors, pour commencer, vous allez faire start, pilote, et vous allez mettre tous vos points d'icône dans confort. Tous vos points de confort dans riche. On n'est pas là pour s'asseoir sur des luxe. On veut des ZX Flux, ta gueule. Alors, du coup, pour continuer. Donc une fois que vous avez fait ça les gars, la plupart des gens qui commencent le jeu, vous commencez sur Street Racing. Sur Street Racing, je vous conseille de faire déjà toutes les courses de drift qui sont assez faciles. Les drags, c'est beaucoup plus compliqué. Et les hypercars, c'est facile. Mais pour tout ça, faut les acheter les voitures. Il faut les sous. Et pour les sous, mon pote, on commence tous en Street Racing. Déjà pour commencer le jeu, je vous recommande plutôt de prendre la Audi TT RS, voiture très compétente et surtout très rapide au démarrage et ne patine pas, c'est une 4 roues motrices, donc je vous la conseille. Le Strip Sud, cette course là vous avez déjà entendu parler, c'est une course qui va vous rapporter aux alentours de 18 000 si vous farmez en extrême, sauf que si vous mettez comme moi tous vos points de confort dans riche, et ben ça va vous rapporter 20 000. Si on l'a fait 5 fois la course, donc 20 000 x 5 est égal à 100, donc 100 000 dollars, 100 000 bucks plutôt, en un peu moins de 7 minutes. Donc si vous la faites 10 fois, vous avez compris que ça vous fait 200 000. Mais sauf que on peut pas faire plus rapidement malheureusement sur le jeu, il n'y a pas de glitch qui existe. Donc ce qu'il faut faire, c'est farmer avec des potes, c'est plus cool. Donc moi c'est ce que je fais en live. Mais au bout d'un moment, ça va nous saouler de faire la course répétitive. Donc, vous allez aller demander à votre pote, qui est très sympa, de vous faire une course à 300 000. D'ailleurs, moi, je peux vous en faire, il n'y a pas de souci, ça serait avec le plus grand des plaisirs. Cette course-là va vous rapporter cash 300 000. Il n'y a pas de chinois ou quoi. C'est 300 000. Voilà, c'est 315 000. Voilà, il n'y a pas de 200 000 parce que tu es premier ou quoi. Quand le membre de votre crew finit premier et si toi, tu es deuxième ou dernier, bah écoute. Tu as quand même les sous parce que le membre de ton crew, celui qui t'a fait la course et qui a accepté de la faire, qu'il a gagné, bah, il te fait remporter les sous. Sauf qu'au bout d'un moment, cette course là elle est très longue, 24 minutes, ça rend fou. Je vais pas la refaire. Ah, mais non, viens, on fait Strip Sud. Ah, mais non, mais on vient de la faire. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire toutes les autres courses avec l'argent que vous avez récupéré. Attendez avant de coffrer, vous allez acheter une voiture de drift. Je vous conseille la Mazda RX-7, celle qui est affichée. Non, c'est MX-5, je crois, je me suis trompé, excusez-moi, MX-5. Et acheter une voiture de drag race. Vous faites cela. Moi, j'ai pas fini la drag race. Ensuite, vous faites pareil pour ça. Voilà, vous faites tout comme moi, comme tout j'ai fait. Vous faites tout pareil là. Voilà, c'est assez compliqué et assez facile dans l'autre. Voilà. Ensuite, pour la Formule 1, je vous conseille de toutes les one shot parce que c'est des courses qui rapportent énormément. Regardez, c'est la plupart, c'est que des 22 000. Voilà, la plupart, c'est que des 22 000. Et si on les met en difficile, regardez, ça rapporte 28 000 et ça peut rapporter jusqu'à plus. Et en plus de ça, si vous détrônez le roi, ben vous récupérez des très beaux véhicules en échange. Malheureusement, sur ce jeu, on ne peut pas les vendre. Donc, par exemple, ici, il y a quelque chose qui est très très bien fait, c'est que si par exemple, vous faites, c'est un conseil, vous faites toutes les courses de chaque catégorie, donc moi, je les ai vraiment toutes faites, vous voyez, vous remportez un Overcraft qu'on aura besoin d'acheter dans la catégorie off-road. Sauf que si vous gagnez Sophia, eh bien vous n'avez pas besoin d'acheter d'Overcraft. Et du coup, bah, ça, c'est beaucoup plus facile comme ça. C'est beaucoup plus facile sans acheter, ça nous fait quelques économies. Sauf pour le rallycross, etc., etc. Ensuite, là, vous remportez un hélicoptère qui n'a pas forcément d'utilité. Et voilà, dans Street Racing, par contre, pour remporter la P1, vous allez dire, ouais, mais si je fais les Street Racing, Drift et Drag, j'aurai débloqué 50% pour aller battre Chio. Sauf que Chio, en fait, dans sa course pour le détrôner, il faut une hypercar. Donc il faut à tout prix une hypercar, sinon vous pourrez pas débloquer la McLaren. Et pareil pour le Pro Racing, d'accord, il faut absolument une touring car pour détrôner le roi, d'accord. Il en faut une absolument, sinon vous ne pouvez pas. Donc moi, mon choix sur les touring cars, je vais vous faire une autre vidéo détaillée sur quels sont les meilleurs véhicules de chaque catégorie, etc., etc. Donc voilà, vous faites pareil, je chasse, moi je c'est plus ça, c'est plus fun, c'est plus tranquille. Et vous faites les live extrêmes. Live extrême, c'est facile, voilà, c'est rien de grand, c'est rien. Le live extrême, c'est vraiment quelque chose de chill, c'est vraiment la fin, c'est kiffant ça. Enfin voilà. Ensuite, je vous conseille de faire les summits, ça rapporte un petit peu d'argent et des followers. Et les followers, pardon, excusez-moi,
vont vous rapporter quoi? Les followers, ça va vous rapporter ça, regardez. Chronologie. Quand vous passez chaque icône, vous remportez un véhicule. Donc, icône 100, icône 200, ça, c'est icône 300. Et puis voilà, et vous savez, icône 1000, on a la fameuse Bugatti qui va s'afficher là, maintenant. Voilà. Donc, cette Bugatti, tout le monde la veut. C'est assez facile d'aller de monter en icône. Je vous ai fait une vidéo dessus, je vous la mets dans la description. D'accord? Ensuite, pour ce qui est faire plus d'argent que ça, écoutez, on ne peut rien faire d'autre apparemment. On ne peut rien, il n'y a pas de glitch. J'ai essayé de faire beaucoup de recherches de mon côté, mais on ne peut pas. Il n'y a pas de grandes choses. Il n'y a pas de glitch, de choses assez flagrantes pour qu'on puisse faire ça. Mais il y a des raccourcis dans les courses et je vais vous faire une vidéo détaillée sur chaque raccourci. Alors n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à vous abonner parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Énormément de vidéos qui arrivent, vous n'êtes pas prêts. Et puis voilà, je vais vous faire un tuto sur chaque discipline, comment manier chaque véhicule, etc. Pourquoi acheter par exemple ce véhicule, pourquoi ça, ça va être très très intéressant, vous allez voir. Et quel choix faire entre les trois Bugatti, parce que c'est une question qu'on me pose énormément. Je vous réponds la Divo et je vous dis ne pas mettre la Chiron. Et je vous réponds de prendre la Bugatti Veyron en deuxième au cas où. Vous allez comprendre pourquoi. Bref, sur ce, c'était Laser. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.